Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler euh, du bilan de mon PEA en mars 2022. Je te sors cette vidéo en avril depuis mon PEA a évolué mais je te fais chaque mois une rétrospective sur le mois précédent euh, de mes investissements sur mon PEA et sur mon compte titre. Aujourd'hui c'est la vidéo sur le PEA, demain tu auras celle sur le compte titre. Alors, je vais te parler de la valorisation totale de mon PEA, de la plus-value en euros que j'ai réalisée, de la plus-value en pourcentage. Du montant total investi, et ensuite je vais te détailler la plus-value de chacune de mes lignes en pourcentage, la plus et la moins-value, évidemment. Et euh, ensuite, bah, au final, je vais te dire combien j'ai gagné par rapport au mois précédent. Alors attention, ce n'est pas exactement combien j'ai gagné parce que j'ai également réinvesti, j'ai racheté deux euh, nouveaux ETF sur mon PEA, donc ça n'est pas simplement la plus-value, ça, ça sera ce que je vais te dire en deuxième, mais combien j'ai euh, de valorisation en plus sur mon PEA par rapport au mois précédent. En comptant le réinvestissement du coup euh, bah de, de mes autres sources de revenus. Alors, la valorisation de mon PEA déjà elle est de 1057 euros. Donc voilà, on a passé la barre symbolique des 1000 euros, ça fait plaisir. Ma plus-value totale en euros, elle est de 51 euros. Et donc en pourcentage, ça représente 5%. Alors j'ai arrondi euh, à l'euro près, hein, j'ai pas mis les centimes évidemment, pour pas compliquer les calculs. En tout cas, voilà. Euh, plus-value en pourcentage, pareil, j'ai arrondi à 5%, on était peut-être à 4,9 ou 5,1, euh, là du coup on était euh, à peu près sur ça, sur, on, ouais, on était à 5% près, à, on était à 5% à, à quelques dixièmes près. Euh, en tout cas voilà, 5% de plus-value sur un PEA qui n'a même pas un an, c'est déjà pas mal du tout. Euh, le montant total investi, il est donc de 1006 euros pour une valorisation à 1057 euros, comme je te l'ai dit. Et euh, par rapport au mois précédent, il y a euh, une plus-value, on pourrait dire, de 415 euros. Donc, du coup, parce que j'ai réinvesti euh, une partie de mon salaire dans ce PEA. Donc, euh, surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est de détailler ce qu'il y a dans ce PEA. Donc, je vais te dire la plus-value de chacune de mes lignes en pourcentage. Euh, tout d'abord, j'ai l'ETF Lixor Stocks Europe 600 Financial Services qui est à plus 2,6% actuellement. J'ai le Lixor Stock Europe 600 Industrial Goods and Services qui est à plus 6,5%. J'ai le Lixor Stock Europe 600 Technology à plus 14,1%. Celui-là, il a vraiment explosé. En même temps, c'est la technologie. Ça surperforme toujours tous les autres secteurs depuis 10 ans. J'ai le Lixor Stock Europe 600 Insurance qui est à plus 7,6%. Donc sur l'assurance. Le Lixor Stock Europe 600. Ilfcare sur les secteurs de la santé, plus 6%. Et euh, le dernier, Lixor Stocks Europe 600 personnel and household sur... Euh, enfin à plus 1,8%. Donc ça, c'était tous mes Lixor Stocks Europe 600. Donc les ETF sur les 600 plus grosses entreprises européennes de euh, chaque secteur qui m'intéresse. Et euh, maintenant, il y a les ETF un peu plus spécifiques. On a le Lixor Nasdaq 100 qui est à moins 2,1%. Donc le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grosses actions euh, américaines du secteur de la technologie qui est à moins 2,1%, donc je l'ai acheté un peu haut et ce mois-ci il a recorrigé donc il est à moins 2,1%, mais sur le long terme c'est un des ETF qui a la meilleure performance donc ça ne me pose aucun problème qu'il soit dans le rouge. Euh, celui par contre qui m'embête un peu qu'il soit dans le rouge, c'est le Lixor ETF euh, CAC 40 x2, donc c'est un ETF en fait à effet de levier x2. Donc celui-là il est intéressant euh, en fait d'en détenir un pour suivre du coup son évolution pour euh, en racheter quand du coup le CAC 40 fait admettons moins 15% Cette ETF va faire moins 30% à peu près Et euh, du coup bah, tu vas pouvoir racheter beaucoup moins cher Et profiter de la hausse pour refaire de très gros gains euh, Là personnellement je suis en train d'acheter euh, une part Ou du moins d'acheter pour au moins 100 euros de chaque ETF euh, des 15 ETF de ma liste donc chaque mois j'achète les plus intéressants et une fois que j'aurai euh, un peu de ces 15 ETF là je renforcerai certaines lignes euh, en l'occurrence sur l'ETF 40 effet de levier x2 euh, je renforcerai quand il baissera et j'en revendrai quand il remontera donc en fait j'arbitrerai euh, très régulièrement et euh, du coup ensuite bah, j'investirai euh, plus euh, sur des actions de croissance euh, sur mon PEA ensuite Action euh, à dividende sur mon PEA. Ensuite, je passerai plus sur le compte titre. Mais en tout cas, euh, dans un premier temps, je vais essayer d'avoir euh, une ligne de chaque sur les 15 ETF euh, pour PEA que je te recommande dans euh, mon e-book, en fait, euh, qui est en premier lien dans la description. Donc, n'hésite pas à aller le voir d'ailleurs. Euh, il est sur Amazon. Et euh, du coup sur euh, les 15 ETF que je propose, pour l'instant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il m'en reste 5 à acheter. Alors sur les mois prochains du coup je vais investir un peu par un peu sur ces 5 ETF qu'il me manque à acheter. Euh, ce mois-ci, j'ai beaucoup plus renforcé sur les cryptos et j'ai bien fait parce que du coup elles ont explosé. Donc je ne regrette pas du tout mon choix. Euh, par contre, sur les mois prochains, je vais essayer de renforcer un petit peu sur mon PEA et d'acheter les ETF euh, qu'il me manque sur euh, ceux que je, je surveille tous les mois au final. Et euh, ensuite, voilà, comme je t'ai dit, je rachèterai du euh, CAC 40 effet de levier x2 quand il baissera et j'en revendrai quand il remontera. Ce mois-ci, j'ai pas pu le faire quand il a baissé, quand il était à plus de moins 20%, euh, enfin en dessous des moins 20%, du coup j'aurais bien aimé en racheter, mais euh, j'ai préféré investir dans les cryptos. Et j'ai bien fait parce qu'elles ont fait euh, de bien meilleures performances tout simplement. Mais c'est ce que je ferai plus tard. Donc ça ne me dérange pas qu'ils soient qu à moins 11%. Parce que au final, euh, c'est fait pour en fait, fait pour suivre le marché et pour euh, bah, accentuer les euh, effets du marché. Ensuite, j'ai le Lixor Dow Jones euh, qui est à plus 1,6%. Euh, ouais, et le BNP Paribas euh, Easy SP 500 Euro qui est à plus 3,8%. Donc euh, le meilleur ETF sur le sur S&P 500, je t'en ai déjà parlé. C'est pas le Dixor, c'est pas le Amundi, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Euh, tu le retrouveras également dans euh, ma liste d'ETF et d'actions qui est en premier lien dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir. Plus 3,8%. Super, c'est dans le verre, très belle performance. Donc ça, c'était toutes mes lignes sur mon PEA. N'hésite pas à t'abonner pour suivre l'évolution, que ce soit de mon PEA, de mon compte titre ou autre, tous les mois. Tous les mois, je te fais un bilan comme celui-là. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Demain, c'est la vidéo sur le compte titre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et euh, bah, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.